بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 47 sur le cours de trigonométrie niveau Bac 1 Sciences Math l'année scolaire 2021-2022. Résoudre dans R l'équation suivante. Sinus X, le sinus de 2X, le sinus de 3X est égal à 0. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon. Puis vous allez résoudre cette équation. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Soit x appartenant à R. On a sinus x plus sinus de 2x plus sinus de 3x est égal à 0. Pour résoudre cette équation, il suffit de transformer cette somme en produit. Pour cela, je vais écrire sinus x plus sinus 3x sous forme d'un produit. Bon, ici je vais faire appel à une propriété que vous connaissez déjà. Sinus a plus b est égal à sinus a cos b plus cos a sin b. Sinus a moins b est égal à sinus a cos b moins cos a sin b. Donc, si je somme ces deux égalités membre à membre, batatini sinus a plus b plus sinus a moins b est égal à 2 sinus a cos b. Il y a les bins sinus a plus sinus b. Moi, le terme rabbi m'chim a. Donc, sinus a plus b plus sinus a moins b est égal à 2 sinus a cosinus b. هذه كتبناها في الدرس بواحد الطريقه اخرى. حنا عطينا a plus b p وعطينا a moins b q. Donc A va être P plus Q sur 2. Ou B est P moins Q sur 2. Donc, à la propriété de les démontrer. Sinus P plus sinus Q est égal à 2 sinus P plus Q sur 2. Oui, cosinus, oui, cosinus B, c'est-à-dire cosinus P moins Q sur 2. Donc, il est bien installé. On a démontré, on a bien mal hafdoua. Ou l'hafdoua, on a dit, mais et on a dit, donc, sinus P plus sinus Q est égal à 2 fois sinus P plus Q sur 2, cosinus P moins Q sur 2. Donc, on a dit, on a 2 sinus x plus 3x sur 2 cosinus de x moins 3x sur 2. X plus 3x, il y a 4x. 4x sur 2, c'est 2x. Donc 2 sinus de 2x. X moins 3x, c'est moins 2x. Moins 2x sur 2, c'est moins x. Et cosinus de moins x, c'est aussi cosinus x. Donc, et je reviens à mon équation de départ. Donc, sinus x plus sinus de 2x plus sinus 3x est égal à 0. Ceci équivaut à
Puis je remplace sinus x plus sinus 3x par 2 sinus de 2x cosinus x plus sinus de 2x qui est égal à 0. Et bien maintenant, il y a un facteur commun. Ah oui. Cosinus de 2x. Donc ça donne sinus de 2x facteur de 2 cosinus x plus 1 est égal à 0. Le produit est nul, c'est-à-dire sinus de 2x est égal à 0 ou 2 cosinus x plus 1 est égal à 0. Ceci équivaut à sinus de 2x sinus de 2x est égal à 0, ça c'est le sinus de 0. Ou cosinus x est égal à moins 1 demi. Le cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Donc cosinus x est égal à moins cosinus pi sur 3. Sinus de 2x est égal à sinus de 0. Ou cosinus de x est égal à cosinus, ou bien moins cosinus de pi sur 3. Et vous savez cosinus de pi moins alpha est égal à moins cosinus alpha. Donc ceci est égal à cosinus de pi moins alpha. Il y a pi moins pi sur 3, c'est-à-dire 2 pi sur 3. Bon, tu fais le résultat. Sinus de 2x est égal à sinus de 0. On a un tracé de réel, c'est le trigonométrique. Ouais, là. Bon, sinus de 0 est égal à 0. Donc, on a de l'angle qui mesure 0. On a de sinus de 0 est égal à 0. On a de l'angle qui mesure 0. Ok, là. Sinus de pi, c'est 0. Sinus de 0, c'est 0. Donc, je vais me faire de l'ouahd. Peut-être que je de pi. Hein, pour passer de la première solution à la deuxième solution, c'est-à-dire le pi. Après, on laisse la tenue pi, on a la deuxième solution. Vous voyez? Donc, sinus de 2x est égal à sinus de 0, c'est-à-dire 2x est égal à kpi. 2x est égal à kpi. K appartenant à z. Pour k est égal à 0, là, il y a la première solution, c'est 0. Pour k est égal à 1, c'est un pi. Pour k est égal à 2, on a 2 pi, il y a la place de 0, radina. Vous voyez? Je vous donne la solution 3. Cosinus x est égal à cosinus de 2 pi sur 3. Et là, on utilise la propriété que nous connaissons sur l'égalité de 2 cosinus. Cosinus alpha est égal à cosinus bêta, c'est-à-dire alpha est égal à bêta plus k de pi, ou alpha est égal à moins bêta plus k de pi. C'est-à-dire, x est égal à 2 pi sur 3, plus k de pi, ou x est égal à moins 2 pi sur 3, plus k de pi, et k appartenant bien sûr toujours à z. Conclusion, on a les solutions, qui est le nul, x est égal à kpi sur 2. Parce que j'ai divisé les deux membres par 2. Kpi sur 2. K appartenant à z. Qui gna qui n'y t'a dit l'anwa dit la solution, elle l'oué, ou elle t'aini, ou elle t'aide. Donc, l'ensemble solution de cette équation, dont r, bien sûr, lorsque x appartenant à r, voilà l'ensemble formé par les éléments kpi sur 2. Ou qu'il y ait 2π sur 3 jusqu'à 2π. Ou qu'il y ait moins 2π sur 3 jusqu'à 2π. Tel que k appartenant à z. Voilà, donc il y a les solutions. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourg Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.